Nous sommes dans le désert californien. Mad Max style. Mad Max style. Actuellement dans le désert de Californie avec Siri qui est là. Oui, bonjour. Voilà, qui est en contre-jour magnifique. On est à bord d'une Camaro plutôt puissante. Là, donc là, ceci est un frein à main, il n'a pas le permis, donc on va tenter un. Accélère à droite, hein. À droite. Tu te fous de ma gueule là? Non, vraiment pas. Comment on avance le siège? J'ai les jambes trop courtes. Bonjour. Eh hey, salut. Bonjour. Comment vous êtes, ça va? Vous êtes Nabil? Oh, genre le mec, ça y est, quoi. Même au milieu du désert, il fait sa pub, ça m'énerve. Ça va quoi? Bien. Ça va, vas-y. Eh, ça me tirait bien. Tire. Je peux dire bonjour. Il y a un mixem sur ta tête. Bonsoir. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en plein milieu du désert californien. On a loué cet endroit avec la team The Fantastic. Et tiens, regardez, il y a une carcasse d'avion de ouf. Genre de ouf. Voilà, il y a des décors de psychopathes ici. Il fait, honnêtement, il doit faire dans les 40-50 degrés. C'est un truc de fou. Du coup, voilà ce qu'il y a autour de nous. C'est des montagnes complètement dingues. C'est vraiment délirant. Donc ça fait beaucoup penser à l'aéroport qu'il y a dans le désert en fait dans GTA. Regardez-moi cette carcasse d'avion, c'est du fucking délire quoi. Tu dérapages? Non, on sait pas le faire. Lol. On a fait les répétitions tout à l'heure et là maintenant on est prêt à tourner, donc on attend que le réalisateur Clément qui est tout là-bas, je vais vous le montrer, nous disent action, même si on va pas l'entendre. Voilà, il est là, super connard qui est là. Bonjour. Bonjour. Derrière on a Nabil. Bonjour. Et Wartek. Bonjour. Ça va ou pas? Ouais. Bien. Chaudement. Les sièges en cuir, c'est chauffé. Hein. Ouais, c'est les sièges chauffés. C'est vrai que j'avais pas qu'il y avait cette option dans la Camaro. Sky Rose, bonsoir. C'est ta première apparition dans la fiction de Fantastique. Effectivement. Tu es content? Super. Karim? C'est pas mal. Enfin, je meurs vite, mais. Décor un peu pour Ave. Sinon, c'est cool. Ah, ouais, le décor est génial. Condition extrême, parce que vraiment. Ah, je suis un peu niqué le bras. Les bras, ils en prennent un peu. Toi, t'as choisi la grenade au calme. Et puis Karim, la discrétion, j'ai envie de dire, infiltration. Le mec, c'est Splinter Cell quoi. T'es en train de vlogger à tes occupations, c'est ça? Je suis en train de vlogger à mes occupations, c'était le jeu de mots de l'année. Merci. Voilà, je vais. Attends, vas-y, prends une posture un peu nulle, je vais mettre une musique nulle. Voilà, c'est très bien, merci. Et je vais rentrer dans le bureau où il y a les acteurs MDR. Bonjour. La bonne ambiance. On a un cercle de confession. Où est-ce que je vois? Ouais. Là, c'est rendez-vous des youtubeurs anonymes. C'est ce que j'ai l'impression. Les youtubeurs anonymes. J'ai l'impression. Bon, il y a 20 ans, j'étais très célèbre. Maintenant, je suis dans l'ombre, dans le gouffre. Bonjour, je m'appelle Cyril. Ça fait 10 ans que j'ai pas touché à Analytics. Ouais. Pas de cuisine. Moi, je me suis recyclé en imitateur de François Lambrouille. Vas-y. Tu as un petit loup-bric sur le pubis? C'est quoi la tête de couille? Nabil! Je réussis pas sur YouTube, donc j'essaie de faire des trucs sur Twitch, tu vois. Voilà. Nabil qui, même au milieu du désert, rapporte son logo pour faire de la pub. Twitch.tv, d'accord? Non, je rigole, là, on s'en fout de Twitch. Allô, la meute. Et Wartek? La forme ou pas? Salut tous! Bien le tournage? Chaud quoi! Chaud! 45 000. Hugo, je t'ai vu ou pas? Moi, je suis Hugo, voilà. Monsieur le V12 a le double de mon âge, j'apprends ça aujourd'hui. Ça fait mal. Monsieur le V12 pourrait être ton papa. Attends, moi, pour l'anecdote, j'ai commencé à jouer à Call of, il avait 6 ans. Oh, get ready. Ok, et ben voilà, c'est la bonne ambiance. Voilà. On va se laisser là pour ce vlog. Je vous fais des bisous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Bon, alors les gens, je suis censé aller à l'E3. J'ai été invité à l'E3. On m'a dit que c'était par là, mais je ne sais plus du tout là. Pourtant, mon GPS TomTom m'a dit que c'était là.